Coucou. Alors, me voilà là pour vous montrer l'album Nigloland, donc que j'ai fini. Et donc, vous saviez, je m'étais servi de la base Craft à cause des sachets d'emballage. Et j'ai pris aussi des feuilles du bloc Botanique Nature, Botanical Nature, qui doit dater en collection de l'an dernier, il me semble. Donc, j'ai pris dedans ces feuilles-là. Parce que le parc est, comme je vous ai dit, très, très ombragé. Ces planches de bois là, vertes, bleues, marron. Et cette feuille là, avec du feuillage dans les bleus verts en fait. Pour respecter en fait ce qui est imposé par l'emballage Kraft et par les petits bonhommes bleus Niglo. Donc là, je referai une petite pochette à l'intérieur. Ça, c'est normal, ça dépasse, parce que ben, malheureusement, la brochure dépasse. Je n'ai pas réfléchi à ça avant de faire l'album. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai mis des petites fleurs. Là. J'ai fait des petits bouquets sur chaque feuille. C'est les feuilles que Kat m'a envoyées. J'ai agrémenté partout. Bon, moi, j'ai remis quelques feuilles à moi, hein, bien évidemment, quelques feuillages, mais bon. Et des fleurs en tissu et en papier. Voilà. Là, j'ai mis quelques brillants. Et là, j'ai mis un cœur. Enfin, je l'aurais mis. Nous à Niglo. Voilà comment va s'appeler cet album. Je voulais mettre d'autres lettres, hein, mais franchement, j'avais rien d'autre sous la main. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé. C'est un album qui fait 25 photos quand même. Donc, là, sur la pochette avant, c'est ce que je vous avais dit. Je ferai une petite pochette avec les deux tickets Niglo. Hein. Pour qu'elles aient leurs souvenirs. Là, j'ai découpé donc ce que je vous disais aussi que j'aime beaucoup dans les notes d'âme qui fait d'ailleurs, pas que V. Sylvie, mais qui fait des pochettes, voilà, avec ça. Donc ça fonctionne parfaitement. Je vous avais dit, je sais pas, ça sera trop fragile ou pas ou non, c'est ça va à la perfection. Et voilà. Donc dedans, bon alors, ça c'est les filles au départ dans la voiture éveillées. Ça c'est les filles qui dorment. Et chaque fois que j'ai mis un petit bouquet, j'ai essayé d'en mettre un peu partout et pas trop chargé. J'ai refait donc un bouquet avec une fleur, une rose en tissu là, enfin une rose en papier, des petites perles et toujours un cœur blanc. Pour que ça tranche un peu avec les papiers. Donc ça, c'est la première. Donc là, on a déjà deux photos. Là, on a quand il y a des espaces vides. Là, vous savez, c'est là où il y avait la reliure avec un scotch craft différent. Donc moi, j'ai rhabillé avec les cartes du parc à chaque fois qu'il y avait ces reliures-là. Et donc là, ça peut paraître vide, mais là, je vais mettre le nom de l'attraction. Parce que ma petite nièce est fan des dinosaures et c'est un parc où on se balade à pied au milieu de dinosaures animés. Et donc là, elles sont là. Et là, là c'est juste pour l'anecdote et la légende, c'est que j'ai un petit garçon qui est passé pile devant. Donc ma première nièce est là, la deuxième est derrière ça. Donc je vais marquer, mais où est passée ma soeur ou je sais pas quoi, derrière le petit garçon. Ça, c'est avec les papilles et mamies dans la grande roue. Donc j'ai refait un petit bouquet en haut de chaque feuille. Ensuite, là, celle-là, elle était toute seule. C'est-à-dire qu'on était à la maison hantée, il y avait un endroit avec un cercueil, je sais pas si. Pas où est sa tête. Voilà, bon bref, il y a un cercueil avec un trou pour faire une photo. Donc du coup, voilà. Et en plus, ma nièce est super adorable parce que la grande, elle a fait un grand sourire. Du coup, je dis, bah non, t'es censée être dans une tombe ou je sais pas. C'est un peu la tête. Alors du coup, elle m'a tiré la longue. Donc voilà. Mais elle est super disciplinée, elle fait une photo, elle sourit, bah non, elle sourit pas. Donc celle-là était un peu toute seule. Donc du coup, j'ai mise là. Et après, je mettrai. En fait, à chaque fois que vous avez là, c'est parce que j'ai pas encore pris le temps de faire les légendes. Sachant que j'ai une écriture de cochon, je pense que c'est ma mère qui va faire les légendes. Voire peut-être, ça peut être ma belle-sœur. Je crois que je vais proposer à ma belle-sœur. Ensuite, là, c'est un endroit où il y a des hérissons. Ce que je vous ai dit, c'est le symbole du parc. Et à fin de compte, j'avais flashé sur les hérissons du bloc Action. Mais ça va pas du tout dans les couleurs que j'ai là. Donc. Je me demande si je vais pas rajouter, enfin, je sais, c'est pas je me demande. Je vais leur rajouter par contre un mot écrit à ma main
Avec, bah voilà, moi ce que j'ai pensé de ma journée, ma petite journée partagée avec elle, je pense que du coup j'agrémenterai par une petite carte craft avec ces nounours là. Donc je peux me faire plaisir, hein, c'est des nièces, donc il y a des cœurs, il y a des fleurs qui brillent, il y a, voilà. Ensuite, là on a une attraction avec des gros canards. Et en fait, la première nièce, la petite, a voulu grimper toute seule, ce que je comprends. Mais vu que c'est un manège où il y a six canards qui se battent en duel et plein d'enfants qui veulent y aller, la grande, du coup, a été obligée de m'avoir avec elle parce que, voilà. Enfin, moi, je me mets à la place des familles à un moment donné. Attendre pour voir qu'il y a un adulte, un enfant dans chaque canard, il y en a six. Voilà quoi. Ça peut vite ralentir le truc. Et que bah, je veux profiter d'elle à fond et qu'elle veut profiter de moi à fond aussi. Donc. Là, j'ai pas mis de post-it parce que je crois que je vais mettre une légende genre Mamie apprend à zoomer parce qu'elle nous a pris, on était loin. Donc il y a, bah voilà, si vous savez pas où elles sont, c'est pas bien grave sur cette photo-là. Ensuite, là, c'est la fameuse attraction abeille parce que alors celle-là, elle était la petite qui est très nature quand elle a vu les grosses abeilles géantes, wouhou, c'est la fête. Et donc là, j'ai remis la grosse découpe à quatre que j'ai réagrémenté avec les fleurs en tissu, les brillants et les cœurs. Ici, ça c'est pendant que nous sommes allés chercher le pique-nique. Les manèges étaient vides, il était presque midi. Donc nous, on est allés en voiture avec les grands-pères et les filles sont restées avec les grands-mères. Elles se sont éclatées, quoi. Elles ont dû faire au moins 20 tours de ce manège. Enfin, non, je crois qu'elles ont compté, c'est 13 et 14 tours, un truc comme ça, quoi. C'était à peine fini, de toute façon, qu'elles retournaient dedans. Ah, vous voyez, là, c'est en train de se plier. Faut que je fasse attention quand même, alors. Hein, c'est ce que je vous disais. Cette petite arabesque. Alors, ça passe sur la première page et pas là. Bon, bref. Et là, on a. Alors, ça, c'est une petite balade à bateau. C'est une petite balade en bateau. Là, j'en profite pour mettre les brillants. Où j'étais avec mes nièces et leur grand-mère. Et de l'autre côté, il y avait donc mes parents et leur grand-père. Et je ne sais pas ce qu'a fait la petite, elle nous a sorti une expression fabuleuse. Donc du coup, je crois que là, je vais remettre genre une bulle carrément. Une bulle avec ce qu'elle nous a dit. Et là, je ne sais pas pourquoi ma mère a pris une photo de mon père. Qui a une tête. Qui a la tête de mon père quand il est en photo, quoi. Et on se demande toujours. Et donc du coup, je crois que je vais remettre une légende. Ça n'a aucun rapport, mais moi, je vais faire ma petite histoire avec les photos. Et là, c'est à l'arrivée chez leurs grands-parents avec... Bon, bah, les deux bricoles que j'ai achetées, hein, parce qu'il y avait des pluches magnifiques, géantes, serpents. Donc, je me suis fait plaisir. Je leur ai demandé quelle couleur elles préféraient. Et puis, voilà, quand je suis sortie, elles avaient la pluche. Ma grande nièce dit toujours, tu es une âme d'enfant, tata. Enfin, tu es une grande enfant. Il y a un peu de ça, quoi. Quand j'ai vu les pluches, moi, j'ai pas eu ces pluches-là. Donc, autant que mes petites louloutes, elles les aient. Et bah là, elles ont eu un petit ressort et là, un petit œuf de dinosaure, parce que la petite est dinosaure. Voilà. J'ai terminé comme ça, ce qui n'est pas spécialement bien centré, mais c'est pas grave puisque je contremets, je vous dis, un truc craft, avec, je pense, cette fois-ci, mes deux petits mots sur mes ressentis par rapport à leur journée. Et voilà. Laisser une trace à mes minettes. Et puis bah là, pour finir, hein, derrière, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, il a pris quand même beaucoup de volume. Et j'ai compté, je ne sais pas si je vous ai dit, ça fait environ 25 feuilles. 25 photos. Alors c'est des petites, hein, c'est des 9 par 13, 9 par 11, je ne sais plus. Enfin, c'est l'imprimante qui propose et je ne sors jamais des grandes. Ce qui fait que certaines se chevauchent, mais bon, c'est des petites photos. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Bisous.